dévié par le poteau. Deuxième match de poule dans un instant, et c'est un match important le deuxième match, hein, parce qu'il finit après le premier déjà. Et avant le troisième, ouais. La petite dame. Ah ça c'est un constat. Vous êtes fort en maths. Hein. Je suis pas fort, je suis doué. Voici la composition. Les joueurs qui vont, semble-t-il, évoluer en 4-4-2. Avec une sentinelle devant la défense. Le coup d'envoi va être donné par l'arbitre, monsieur Pedro Orteguilla. C'est le coup d'envoi de ce match. Content pour la deuxième journée de ce groupe. Oui, après une première journée plus. Ouais, bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. James MacArthur. Ah non, le tir qui est contré. Il donne sur l'aile vers Cristiano Ronaldo. Le ballon qui va arriver dans la surface. Un bon ballon à négocier pour l'Écosse. James MacArthur. Ouais, l'arrêt du gardien. Cristiano Ronaldo. Bien. Allez, ça peut peut-être se jouer là. Avec Cristiano Ronaldo. Gardien qui est battu sur cette action. Albiqueur qui place la balle à la base du poteau, c'est parfait. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Cormac. Le ballon qui sort des limites du terrain, c'est une sortie de but. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche, de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. Il arrive à centrer, le centre est bon, mais c'est le défenseur qui s'interpose. Le talonnade, bien joué. Attention à la frappe. Un superbe exploit du gardien sur ce plongeon. Attention, ça peut être dangereux. La frappe. Ils sont toujours menés d'un but. C'est bête de rater cette balle d'égalisation. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Eder. Pas de souci pour le gardien. Pas de problème pour le gardien. Substitution for Portugal coming off the pitch and the three before. Ouais, le remplacement s'impose, hein. Côté portugais, la blessure semble trop sérieuse. Un long ballon loin devant. Ils construisent patiemment, hein. Ils attendent l'ouverture. Ça part bien, action dangereuse. Le centre, il prend sa chance. Oui, ce sera un corner. Et oui, sortie de but. Restent les Portugais. Ça pourrait être dangereux. Ouais, bonne intervention dans le couloir. Ballon récupéré. On va négocier pour l'Écosse. Matt Phillips. Et la voilà, la frappe. Ouais, il avait l'égalisation au bout du pied. Ouais. Ah, ça, c'est quand même le genre d'action qu'il faut pas rater. Joao Cancelo. Bonne passe.
Alors comment les Portugais vont-ils la jouer cette balle? Oh, que c'est mal défendu, c'est pas bien défendu. Attention, le centre. Quel sauvetage du défenseur. Il arrive à centrer. Le centre est bon, mais c'est le défenseur qui s'interpose. Et voilà, déjà 45 minutes de jouer dans ce match. Un petit but, simplement 1-0. Quel est votre sentiment sur la première période livrée par Cristiano Ronaldo? C'est grâce à lui si son équipe est devant à la pause avec ce but marqué juste avant la mi-temps. Allez, c'est reparti dans ce deuxième match de groupe. Moi, je pense qu'on va avoir droit à un beau match. Hein. C'est déjà pas mal en première période, donc on va espérer que ça progresse même. Ils construisent, ils font tourner. Ouais, excellent. Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle. Peut-être une occasion pour le Portugal sur cette phase de jeu. Et les joueurs portugais qui avancent, regardez qui va jouer sur ce contre, le tir, allez, va marquer, oh le but. D'abord il y a cette belle circulation de balle, après le buteur est parfaitement lancé, il n'y a plus que le gardien à battre, il n'y a rien à jeter dans cette action. Le ralenti du but à présent. Le gardien pensait avoir fait le plus dur, mais le joueur a bien suivi l'action, c'est un but plein d'opportunisme. 3-0, ils prennent les larges. Le ballon qui va arriver dans la surface. Ils perdent le ballon avec ce centre qui n'a trouvé personne. Une visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Une entrée imminente, on voit le quatrième arbitre qui se prépare à annoncer ce changement. C'est un corner. Le joueur qui sort sous une ovation. Il a fait un très bon match, cette reconnaissance de ses supporters doit lui faire plaisir. Ce n'est qu'une question de niveau. Ce n'est qu'une question de niveau. Ce ballon qui vient toucher le poteau avant l'entrée. Le but encore, mais sous un autre angle cette fois-ci. En contre à sens unique. A priori. Ce sera pour le prochain arrêt de jeu. Ah ouais, bien défendu. Ils progressent les Portugais. Ça pourrait être dangereux. Attention à la frappe. Ah, c'est complètement dévissé. Cette balle. La frappe, un arrêt, enfin, un petit frisson là chez les supporters. Une, deux, choisis la frappe. Et le but, que c'est beau. Il vient de rentrer sur le terrain, il est frais, il en a profité. Tiens, je crois que c'est le but du chaos. Ah bah non, il prend le large. Déséquilibre de la partie, c'est bien donné ça. Ouais, bien vu ce centre. L'entraîneur qui a demandé un remplacement. Le joueur est à côté de l'arbitre assistant, il est prêt à rentrer. Il va y aller. Pour le Portugal. Ah, ils explosent littéralement leurs espoirs. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. La bonne conduite de balle. Il prend sa chance.
Ah, j'ai cru que le joueur avait fait le plus dur en réussissant à se démarquer. Ouais, ça fait pour reprendre ce ballon. Ah, il a décidé d'y aller tout seul. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ah, excellente passe. Passe en profondeur. Le tir. Oh, le ballon qui s'écrase sur la barre. Ah, ils perdent d'en finir. Ils ont été totalement dominés. Match vraiment difficile pour eux. La tête. Il s'en est fallu peu qu'ils reprennent ce ballon de la tête, vraiment. Hein. Le duel avec le gardien maintenant. Il choisit la frappe. Et le gardien hein, qui s'interpose. Et voilà, c'est terminé. La finition se termine. C'est tout fini. 5-6-0. Une rencontre sans suspense aucun. Match maîtrisé de bout en bout. Est-ce que vous avez aimé Cristiano Ronaldo aujourd'hui, Pierre ? Très bon match pour lui avec un doublé. En plus, c'est toute l'équipe qui hausse son niveau de jeu quand il enjambe comme ça. Donc, on peut rentrer à la maison avec le sentiment du devoir accompli et du travail bien fait dans l'intérêt collectif.